position for landing. MR-1422, Dingo Egret, unlocked. 20 to touchdown. That's unusual. What is? Indications of Metatron. 19h et un air de déjà vu? Non! Comment ça, c'est le deuxième jour, on teste un jeu de mecha? Et alors, c'est pas un mal, non? Oui, je suis allé ranger mon mecha fraîchement reçu hier de Daemon Ex Machina. Je l'ai mis au garage parce qu'il m'intéresse vraiment pas. Et je suis vite allé refaire une partie de Zone of the Enders. Oui, parce que Zone of the Enders, à mon avis, c'est quand même un des jeux les plus réussis concernant l'univers des mechas. Je rappelle pour les gens qui atterriraient ou qui auraient été décryogénisés la veille, les mechas, c'est ces fameux robots géants dans lesquels un pilote monte et réalise des prouesses pour sauver la veuve, l'orpheline et accessoirement la couche d'ozone. Non, c'est pas un bon exemple? Bon, tant pis. Petite intro? Oui, Zone of the Enders, c'est une intro. Je vais vous faire la version courte. Angie, I remember now. The winner of the year was Hesperia Gales. No idle talk. You'll crash, Dingo. In the final 30 seconds, Henry G trashed out from field out. Man, we had a great time that night. 20 to touchdown. Can't wait for the new season. Position for landing. The people on Mars can start getting excited. I'm on the ground. The Metatron is not very deep. And it's very strong. It wasn't here last time I came. Going back. Going back. Going. Shut up! Is it debris? The observation crews are goofing off again. What the hell is that? Anything wrong? Found something interesting. I'll check it out. Hatch unlocked. Where? A helmet. Damaged. Damn Barum. Barum? From Mars? How can you tell? Get your ship down into the ditch and stay hidden. Thank you.
Columbus. What is the efficiency? Pour rappel, Zone of the Enders est sorti au tout début des années 2000 et ça a été une grosse baffe parce que le jeu était vraiment très très réussi tant dans la maniabilité du mecha que dans l'effet speed qu'il y avait à gérer ses combats. Oui, pour la première fois, on n'avait pas un de ces fameux robots qui se déplaçait en faisant... Là, il est en train de courir, le gars. Et donc du coup, on arrivait sur un jeu où les robots, les mechas, quand ils se mettaient sur la gueule, ils se mettaient sur la gueule fort et vite. Et ça, c'était vraiment très impressionnant. You'll have to give it to me. What does Barum want with Callisto? Oh? You don't look like a mining man to me. Get lost! Yee-haw! Hand over to Hootie! Go, Whip! Shoot down the enemy's attack with lasers. Too easy! Too easy! Une des grosses subtilités qui a fait le succès de Zone of the Enders, c'est la gestion des contrôles du mecha, puisque qui dit déplacement 3D totalement libre, en volant de surcroît, bah, inclut une nouvelle dimension. Et du coup, ça a été très très bien intégré sur les commandes, même s'il faut avouer que ça vous demandera un petit moment d'entraînement pour maîtriser toutes les touches de la manette, car là, elles sont toutes exploitées, et ça a l'air un peu compliqué au début, mais si vous vous les mettez bien dans le crâne, vous vous rendrez compte que c'est utilisé judicieusement et qu'il y a moyen d'enchaîner les différents mouvements qu'on veut faire faire à son mecha d'une manière totalement naturelle. Don't you? Maybe. Even if you're Barom, that's too rough. It sure is. Who's the commander? You think I'll tell? Wait! Good job, Dingo. Are you all right? Yeah! Dingo, the enemy is approaching me! All right, I'll try to head them off. You will? Take care, Angie. What? Ah!
factory is dangerous. If we don't do something, we'll be crushed along with Callisto. We have no choice. Du coup, sur le gameplay, Zoé, c'est une grosse partie de plaisir, puisque on a des enchaînements très très rapides de coups, soit à distance, soit au corps à corps. On peut même se servir du décor, on peut se servir également d'un ennemi comme un projectile si on veut. Et tout ça donne des phases de tatane qui sont presque dignes d'un soutien du mur parfois. Finalement, la dernière chose qui a marqué tous les joueurs dans Zone of the Enders, c'est son scénario. Alors, il va pas chercher à révolutionner le genre, on a toujours des situations avec des méchants, des gentils. Ceci dit, c'est géré d'une telle manière qu'on a vraiment l'impression de voir un dessin animé, et ce, à deux raisons. Bah, la première tient dans l'écriture même du scénario, puisque en partant sur des bases totalement bateau, le jeu va vous balader. Du coup, ça reste un vrai plaisir de parcourir le scénario, puisque non seulement il y a plein de rebondissements, mais en plus, l'aventure est relativement longue. C'est ça qui est surprenant. On se dit, ah là, j'ai touché le bout. Et non, un ultime retournement va venir changer la situation, et on aura à nouveau besoin de votre intervention. What are you doing on this ship anyway? If anything happens to my pals on Callisto, you'll pay. I didn't kill them. I don't believe you. I've been dead once already. I'll bring it to an end myself. No! Look, the perfect fusion of Metatron! The destruction to end all! Comme vous le savez, je suis totalement fan de mecha, et en particulier quand on parle de jeu, oui, je suis totalement fan de Zone of the Enders. C'est à mon avis le jeu que vous devez avoir si vous adorez les bastons de robots. C'est un must-have dans toute collection qui se doit. The performance of these two bodies is even. But to match Anubis, Jehuti lacks one thing. A program to bring out the full performance of Jehuti. That depends on the skill of the runner. Get out of my way! Faut savoir que le jeu a été remasterisé parce qu'à l'époque il était sorti sur PlayStation, et je vous garantis que quand vous relancez votre vieux disque, le coup de vieux, vous le sentez passer. Cette remasterisation est juste parfaite, puisqu'on peut pousser les détails dans des retranchements assez faramineux. Pour info, la source de ce stream a été effectuée sur une capture en QHD avec toutes les options à fond, et c'était véritablement un régal. It is Anubis. You must, even if I don't make it. Listen, please, be sure to stop Aumon. Il y a beaucoup de choses qui ont été retravaillées à l'écran, y compris des parties de dessins animés qui ont été rebossées pour pas avoir un look de pauvre, comme on dirait, en 2020. Et du coup, l'ensemble est vachement appréciable. Autre chose appréciable, et ça je vous laisse consulter une autre émission que j'avais préalablement faite, Zone of the Enders peut également se jouer en VR. Et alors là, la surprise est totale. Vous consulterez à la fin du stream la petite vignette que je vous mettrai en lien. Ça renvoie à la chronique sur le mode VR que j'avais essayé précédemment sur la PlayStation.
Alors c'est pas évident de se positionner et de penser à verrouiller les bonnes cibles quand elles sont un poil trop nombreuses. Et donc le détail que je disais, c'est moi j'avais demandé un 95C quoi. Je suis super déçu. Et oui. C'est ça de pouvoir se voir. C'est magique. Oui, bah c'était pour voir si je pouvais marquer un panier. Zone of the Enders reste toujours le meilleur jeu de mecha jamais créé et il vous tiendra en haleine de longues heures. Je vous garantis que parfois vous peinerez à quitter la partie pour faire autre chose, vous rendant compte que ça fait 2 heures que vous êtes en train de jouer comme un malade sans décrocher de votre écran ni de votre manette. Un gros recommandage, un gros coup de cœur. Je vous laisse avec des belles séances d'action, ça vous fera du bien et ça vous donnera certainement envie même si vous n'êtes pas fan de mecha. Can you say if you're not with Barum? You are late, Jeopardy. You did it, you stupid wind-up doll. I've already recovered the vector cannon, and you are next. Don't let a fog grab you. You can get out of a grabbing attack at the very moment of getting ready.